Frère Rex, mieux en mieux d'un grand maître là, nous saluons nous toutes, nous chaque fidèles auditeurs de la présentation Pensée de la semaine. C'est Révérend Père Messie Jean-Jacques, comme d'habitude, accompagné de radio, de radio Télépin Vivant, qui a entré à Caillou. Pour nous brasser la vie, pour nous brasser l'idée. Donc, comme ça, frère Rex, mieux en mieux, thème nous bras réfléchir sur lui pour semaine ça, dégager-le dans un dialogue. Je gagné ensemble avec un couple d'amis. Qui ont grandi dans un quartier pour eux-mêmes. Le quartier, c'est un quartier résidentiel. C'est la maman qui a fait. Ils étaient voisins. Et puis voilà que la vie a mis eux m'a connu ensemble. For life. Ils ont engagé pour vivre ensemble, pour la vie. Ils ont engagé pour vivre comme couple. Et comme ça, ils ont eu naissance à deux petits garçons. Donc comme ça, pendant qu'il a continué à grandir, à vivre sur le quartier, comme deux grands professionnels, avec deux petits garçons, ils ont gagné, ils ont fait éducation, et puis ils ont fait une observation, ils ont fait un constat, qui s'est constaté, qui s'est observé, ils ont constaté qu'avec le temps, au fil des jours, des mois, des années, configuration quartier a changé. Donc un nouveau visage qui est là-dedans, il y a un nouveau propriétaire, un nouveau owner, j'en dis un nouveau locataire qui vient là, ça veut dire automatiquement configuration quartier vient changer. Ça vient fait que yo trouvé que yo en face un dilemme, yo en face une insécurité et gain des images, gain des comportements, gain des slogans et gain des visages à regarder pour eux-mêmes. Et il y a une ambiance qui vient gagner sous quartier, une activité monter et descendre qui vient gagner sous quartier pour eux-mêmes. Et ils ne pas sentir sécurité, ils ne pas sentir en sécurité, ils ne pas sentir que les milieux sont safe pour eux, pour petit par rapport à gens qui veulent éduquer petit yo. Et ils viennent prendre décision, obligé prendre décision par rapport à spectacle ou à l'évangile qui pas gagner là où tu grandis là, où tu grandis là, et qui vient gagner qu'on est obligé à quitter zone ça qui gagne en pile tradition dans la vie, qui gagne grand impact, yo vivent en pile événement la donne, yo ma connaît avec milieu ça, avec caille ça yo, avec voisinage en pile dans yo ancien, yo obligé à quitter à déloger pour aller dans l'autre state bien loin parce que yo dit maman nous t'ai pas nos chances, maman nous t'ai prend chance, maman nous t'ai fait tout ça capable pour très bien éduquer nous, et voilà que petite pas nous yo et nous venons trouver que yo à risque côté où il est là qu'on y a côté n'a vivre ensemble avec eux côté nous grand histoire côté ça nous pensait que nous t'es lever là mais bah il changer dans mais réalité milieu a changé dans mais donc comme ça nous obligé partir bien loin pour make sure que petite nous a gagné une très bonne éducation même j'en nous même nous t'es bénéficié ça dans famille par nous donc comme ça il obligé aller avec cœur cabraché avec beau souvenir au gain dans milieu parce que il faut bail petite yo et une éducation de qualité. Donc comme ça, il y a un thème qui est dégagé, un thème classique qui est dégagé à partir de l'observation que tu fais. Et c'est sous thème ça que nous allons réfléchir ensemble, frère avec ce mieux. Tu n'as pas le gros nègre, mais c'est réalité la vie monde là, c'est réalité la vie milieu pas au milieu pas, en pile monde y a vivre qu'on y est. Grossièreté, c'est ça qu'on va faire matière de réflexion donc, pour ce maintenant. Donc pour ça, les amis nous pour l'accompagner, nous avons fait nous connaître que la société n'a vivre là, le monde n'a vivre là, il est infesté, il est pourri par des gens grossiers. Donc mounyo mabial, yo malouk. Mounyo mabial, yo malouk. Mounyo difficile en pile, mounyo paraît drôle en pile. Donc pour ça, je ne dis pas comportement yo, pas mode d'agir yo. Et papa parole qui a sauté dans la bouche, il fait figure de personne toxique et il vient rendre milieu toxique. Nous sommes habitués à l'expression ça, dans la chose ça. Donc, comme ça, coupe ça, ça m'a mis au fait de comprendre que quand il y a monde là, tant ça qu'on y a, il est rempli avec vulgarité. Donc, comme ça, ça n'a pas gardé, ça n'a pas tendé, ça n'a pas tendé, moun a dit, il a fait d'évangile non. Donc, il fait que société noire, milieu côté n'a vivio en pile fois, yo qu'on a fait figure révélé comme un espace de mauvais goût. Donc comme ça, yo fait nous connait que gampir, c'est pas seulement ça mon a dit, ça mon a gardé, ça mon k'ap manyen,
et qui capable infester mon rendre que ou pas trop à l'aise ou pas trop inconfortable. Mais geste mon a fait attitude mon gagné fréquentation mon gagné ou même tout ou capable polluer tête par à travers film ou regarder vidéo ou regarder image ou regarder émission ou attendre ou regarder sous télévision ou dans radio tout ça yo fréquentation fait tout ça yo carré nous pourri cap pourri l'esprit yo. Donc comme ça faire avec ce mieux grossièreté c'est ça qui matière réflexionnons pour semaine ça en nous entrer dans terme éviter de faire souffrir les autres par vos grossièretés. Mais au contraire, soignez votre langage, soignez vos gestes et comportements. Ce faisant, vous donnerez une meilleure image de vous-même et les gens vous témoigneront plus d'estime. Donc comme ça, vous pas répéter n'importe bagaille, pas tout ça qui n'en bouge ou répéter. Qui tout être gen moun là ou pas gen moun là et en plus faut pas même tenir compte de l'autre monde qui bon côté de qui mêlé ou non. Donc ça veut dire l'or répéter n'importe bagaille ou comporter n'importe qui j'en fais n'importe geste devant n'importe monde. Donc là ou fait figure de personnalité grossière d'une personne grossière. Donc comme ça ou paraître laid ou paraître laid devant j'ai monde qui regarde ou une paraître comme un monde de mauvais goût pour monde qui regarde. Donc comme ça pas jamais lié ou même avec lui même moi même nous toutes nous sommes des êtres sociaux. Donc zami nous yo qui pour l'accompagner nous dans réflexion pour semaine ça sur la grossièreté yo pote nom Alex Parker, Henri Frédéric Amiel, Anatole France et le pape François. Donc comme ça zami nous ça fait connait que la grossièreté et c'est un sujet important et tout le monde ni moi ni vous nous qu'on a répété nous qu'on a et j'en dis nous qu'on a craché du fait moi oui de mon expression ça moi même avec moi une fois nous qu'on craché du fait nous qu'on entendait ou nous qu'on ouais monde a craché du fait devant nous ça passe dans la tête ça passe dans l'esprit nous. Et en face monde qui devant nous bon côté nous ou bien sur route la vie nous dans environnement nous dans quartier côté nous hier dans travail côté nous hier dans l'église là même pour nous pas dire ça pour tout monde a craché du fait. Et là nous là nous senti ça ennuyé nous ça embêté nous ça choqué nous ça embarrassé nous qu'on senti nous honte si mon ça pas gagne honte nous senti nous honte pour lui et nous qu'on trouvé ça tellement grave tant nos paroles gardons comportement au monde dans tel milieu spécifique garde tel comportement au monde dans travail garde tel comportement au monde dans transportation publique garde tel comportement dans nos paroles au monde dit et non office tant des ton parole un comportement au monde et l'église nous pas ta imaginer ça. Donc, il y a plein de monde qui ont senti que ça dérangeait, ils ont frustré, ça énervé, ils ont senti qu'ils ont honte, ils ont choqué, ils ont embarrassé, ça embêté, ils ont trouvé ça dépassé, mais si. Donc, comme ça, je me dis, les gens qui doivent, les gens grossiers, les grossiers personnages, il y a des gens qui comme ça, les amis nous font connaître, c'est tempérament comme ça. Il y a des gens qui sont grossiers, par tempérament, par faute d'une éducation négligée, par nature, il y a des gens qui viennent grossier à partir de mauvaise fréquentation, mauvais compagnie. Et j'en dis, il y a des gens qui sont dans le milieu côté où il y a tout. Ils ont grandi comme ça, et le milieu côté où ils ont pris des sens, et puis ils ont quitté en pointe ça, non, eux-mêmes. Donc, comme ça, il y a des gens qui ont l'habitude, il y a des gens qui sont dans l'hérédité, ils ont pris des sens, parents, les familles. Donc, comme ça, les amis nous disent, pendant la vie, moi-même avec vous, bon attention pour nous faire, pour nous pas faire figure de monde qui ignorant, pour nous pas faire figure de monde qui pas gain délicatesse, éviter pour nous pas faire figure de monde qui sans culture, éviter pour nous pas faire figure de monde qui mal élevé, éviter pour nous pas faire figure de monde qui pas gain sociabilité, éviter pour nous pas faire figure de monde qui pas gain civilité. Donc éviter pour nous pas faire figure de barbare, éviter pour nous pas faire figure de monde qui sauvage. Évitez pour nous pas faire figure de monde qui sans discipline. Évitez pour nous pas faire figure de monde qui woude. Évitez pour nous pas faire figure de monde qui paraît comme imbécile. Donc évitez pour nous pas faire figure de monde qui impoli. Donc les nous agit comme ça, nous paraît laide et nous fait l'autre monde qui bon côté nous souffrir. Donc comme ça, nous ben nous voilons. Y a pas éviter nous.
Donc comme ça, yo wè nou comme yon mode entre tout moun a évité nou. Donc là, frère Maxime yo réfléchis sur ça. Donc dans réalité la vie, moi-même avec vous, nous garder nous prend petit temps pour nous garder combien fois nous face situation ça, en face réalité ça et pour nous pas dire combien fois nous projeter tête nous bailler tête nous image ça, nous présenter nous l'aide dans niveau ça. Donc comme ça. Et frère Maxime yo Zami nous a fait nous connaître que l'important moi-même avec vous pour nous bien bat bouche nous pour nous valer ça libre pour nous même modeler non pour nous éviter pour nous répéter des pour nous pas répéter des vulgarités que ce soit dans milieu travail professionnel que ce soit dans famille que ce soit dans l'école que ce soit sur route la vie en public ou bien entre amis éviter de répéter, de dire des vulgarités. Donc comme ça, j'amène nous fait connaître que les grossièretés, bagay ça yo, yo pas de bon goût. Yo fait nous paraître laide, yo fait nous paraître sale. Nous bay mauvais, nous projeter mauvais image de nous-mêmes. Et les que attitude ça, comportement ça, parole ça yo, yo sorti dans bouche nous, de yo yo fait une mauvaise image de nous et j'en dis à nous blesser l'autre yo dans intimité yo. Donc comme ça éviter pour ne pas paraître vil pour ne pas paraître des monde vulgaire sans culture pour ne pas figure de barbare et pour pas même traiter nous d'imbécile. Donc comme ça des monde qui sans classe sans éducation. Donc nous devons travailler nous même avec vous pour nous faire pour faire monde respecter à travers parole à travers action je ne comporte tête nous pour inspirer mon respect et nous devons respecter l'autre monde qui est bon côté nous. Donc pour ça, ça qui doit sauter dans la bouche nous, ça s'en mène à faire un bonheur. Parole qui doit sauter dans la bouche nous, il doit soigner, il doit traiter. Donc, ayez des propos pleins de finesse. C'est le conseil ça, s'en mène à bon. Donc moi-même avant, ayez des propos pleins de finesse. Ayez de la compassion pour les autres. Donc, fais preuve d'esprit pointillé. Donc, c'est pour vous, parole qui a sauté dans la bouche, parole qui a soigné, qui a traité, et pour nous faire preuve d'intelligence. C'est ça, j'en ai appris. C'est pour nous remplir, penser nous, de bonnes choses. Et puis, pour nous pas quitter place, et j'en dis pour vulgarité. Pour nous pas quitter place pour des vulgarités, pour des bagatelles. Donc, comme ça, frère, moi, avec ce mieux, si ou c'est un monde qui grossier, ou sous fait figure de un grossier personnage, faut prendre conscience de ça. Et puis, prendre décision, prendre moyen pour capable changer. Je me dis, demande bon Dieu aide. Relez côté bon Dieu pour chercher aide. Bon Dieu toujours pareil pour l'aider. Non. Pas de monde bon Dieu pas capable de changer. Et pas de monde tout pas capable de changer sous prendre conscience de l'état. Donc, comme ça, monde qui monte l'église. Je me dis, monde qui monte l'église. Quand tes sociétés ça, mon cap chercher développer une bonne relation, close intimité avec mon Dieu, mon ça pas supposé danser avec des paroles grossières, paroles mauvaises, paroles piment bouc, mais grossière, paroles piment bouc, pas doué sauter dans bouche, il pas doué cracher, paroles diffées, donc comme ça, grossièreté, il y a des paroles grossières, pas doué sauter dans bouche, mon dans l'église, ça va pas mélanger ensemble. Donc comme ça, c'est gaz avec du feu, avec allumette. Donc comme ça, c'est pour nous chercher à vivre, nous-mêmes qui sommes de l'église, nous-mêmes qui sommes éduqués, civilisés, qui prennent conscience de sociabilité. Non? Donc cap travail, je dis à pour nous upgrader de milieu côté de vivre là, pas que nous comporter, non pas que nous agir, ça veut dire, par action à faire. Donc c'est pour nous faire effort pour nous mener à la vie qui est pure. C'est ça, ça nous a dit. Donc nous-mêmes comme monde, c'est pas des impacts non pas fait et c'est ça nous devons toujours chercher pour nous faire comme monde c'est pour nous toujours chercher pour nous faire bon impact sur l'autre à travers parole à travers action n'a posé donc comme ça faire avec ce bio causer en pile non mais aujourd'hui parce que Jean d'Abouel bien monde qui grossier par tempérament, il y a monde tout parce que manque d'éducation, il y a monde c'est dans nature, ça y est, il y a monde tout c'est à partir de fréquentation, yo gagné. Donc jodi a frère avec ce yo, zami nou yo a fait nous connaît qui gens li important moi même avec ou pour nous faire effort
pour ne pas faire figure de gens ou bien des personnes sans culture, pour ne pas faire figure de monde qui est mal élevé, manque d'éducation, manque de civilité, manque de sociabilité, pour ne pas faire figure de barbares, de sauvages, de monde sans discipline, de monde qui woude, de monde qui sans délicatesse, esprit tout petit. Et puis, il est fini, de monde qui fait figure d'imbécile, d'éducation négligée ou impolie. Donc, là, nous agit comme ça, nous fait l'autre souffrir et nous paraît laide. Nous connaissons que nous ni ou pas t'aimer paraît laide. Et non, une fois tout, j'en consens tout, ou fin font grimace, ou fin font laideur, dans le temps, mon fin dit en cause, comme on consenti ou qu'a senti ou que ça embarrassé ou empile ou sentou gêné ou sentou ou embarrassé, puis ou maré ou pas qu'à déplacer. Donc, comme ça, frère avec ce mieux, nous toutes, nous chaque, on nous relève après quoi nous, pour nous mesurer parole nous, pour nous, je ne dis pas, soigner comportement nous, fréquentation nous, et pour permettre que nous ayons une bonne image de nous, de nous contribuer en société qui a un monde goût pour vivre. Pour que les gens soient en sécurité, ils sont beaucoup de gens sous quartier, la caille. Pour ne pas repousser les gens qui sont la caille, les gens en même temps, ils trouvent, pas arrêter côté ça encore, le quartier ça a marqué, depuis tout petit, et puis ils sont obligés de sauver, ils sont obligés de quitter pour aller vivre de l'autre côté. Parce que côté ça pas permettre que ça petit tu attendre ça ouais sur route là et puis ça y a vivre dans interaction avec l'autre monde bon côté yo sous quartier la caillou les va voir qu'il y a l'autre occupation yo ça va avoir un impact dans l'esprit petit tu dis non nous obligé partir bien ouais obligé partir bien ouais pas faire l'autre monde lever courir bon côté nous pendant à vivre bon côté nous pas mauvais comportement pas mauvais parole et mauvais attitude nous capable gagner par mode de vie, non. Ok? Donc, comme ça, évitez d'être grossier. Évitez d'être fait figure de personnes grossières. Donc, comme ça, l'on agit comme ça, ou pas bien l'autre goût pour vivre bon côté. Donc, comme ça, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Pour nous être réfléchir sur le thème ça aujourd'hui. Hein? La grossièreté. Évitez de faire souffrir les autres par vos grossièretés, mais au contraire, soignez votre langage, n'importe. Soignez votre langage, soignez vos gestes, vos attitudes et votre comportement. Ce faisant ici, vous donnerez une meilleure image de vous-même. Qui signale au bail, vous donnerez une meilleure image de vous-même et les gens vous témoigneront plus d'estime. Mon y'a plus vraiment. Ok, vraiment, Radio Télé Ben Vivant, vraiment, Vétil dit nous le remont en pile. Donc nous contents, nous sommes avec vous, nous cassons rendez-vous l'autre semaine. C'était Zami Paula de toujours, Révérend Père, merci Jean-Jacques, sur Radio Télé Ben Vivant. Allez, ciao!